Oui, bonjour. Dans ce contexte de guerre en Ukraine et dans le monde, parce que maintenant on peut considérer que c'est un contexte de guerre généralisée, eh bien, j'aimerais vous montrer comment la géopolitique et le commerce se moquent éperdument des êtres humains. Et cela à la lumière des événements qui se sont passés la semaine dernière en Inde. Nous, une ville habituellement animée de l'état de l'Haryana, est devenue une ville fantôme depuis 2 semaines. Soumise à un couvre-feu, elle porte encore les stigmates des affrontements meurtriers entre hindous et musulmans. À l'origine des heurts, une procession religieuse organisée par des nationalistes hindous dans ce district à majorité musulmane. Suite aux violences, le gouvernement nationaliste hindou du BJP de l'état de l'Haryana a répondu par la force à la communauté musulmane en détruisant leur logement. Toute ma maison a été détruite par 3 bulldozers. Par là-bas, les destructions sont encore pires. La maison de Coursida fait partie des 300 foyers de familles musulmanes détruits. Ils nous ont accusés d'avoir jeté des pierres lors du rassemblement, mais c'est impossible. Le temple se trouve à 1 ou 2 kilomètres d'ici. Le Bajrang Dal, un groupe extrémiste hindou, est à l'origine de tous ces actes de vandalisme. Ils nous ont attaqués. Dans le village de Paledi, il ne reste que des femmes et des enfants. Par peur, les hommes ont fui. Samina, mère de famille musulmane, accuse la police d'avoir arrêté son fils de manière arbitraire. Je ne sais pas où est mon fils depuis 9 jours. Il n'a pas été impliqué dans l'affrontement. Il dormait, la police a fait sa ronde et l'a arrêté. C'est de la persécution, quoi d'autre? Je prie pour que les hindous et les musulmans vivent en paix. À New Delhi, des membres du groupe d'extrême droite Bajrang Dal présents à nous lors des échauffourées ont accepté de nous rencontrer. Ils considèrent la minorité musulmane comme une menace pour le pays. On est la communauté majoritaire, mais c'est nous qui sommes opprimés. Nous n'avons pas le droit d'organiser nos processions religieuses quand nous le voulons. C'est clair, sans la force ou la peur, les musulmans ne resteront pas à leur place dans la société. Ils commenceront à nous jeter des pierres ou à persécuter les hindous par le biais de la propagande politique. Depuis le début du mois d'août, les violences contre les musulmans ont fait 6 morts dans l'état de l'Haryana. Que fait le Premier ministre de l'Inde, M. Modi? Eh bien, écoutez, il est lui-même un suprémaciste hindou. Et comment alors la communauté internationale s'accommode tout à fait de ce genre de choses et regarde ailleurs? En effet, M. Modi est courtisé par l'Union européenne, mais pas seulement, par la Russie de M. Poutine et les BRICS en général. Personne ne voit là dans ces petits massacres, personne ne voit un problème. Personne. Les deux hommes ont signé une série d'accords, notamment un contrat pétrolier, un pacte de coopération militaire jusqu'en 2031 et un engagement à porter les échanges commerciaux annuels à 30 milliards de dollars d'ici 2025. Les relations économiques et diplomatiques entre l'Inde et les pays de l'Union européenne sont essentiellement basées sur le commerce et la coopération bilatérale. L'Union européenne est le deuxième partenaire commercial de l'Inde, tandis que l'Inde est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'UE en Asie. En ce qui concerne la diplomatie, l'Inde et l'Union européenne collaborent sur des questions mondiales telles que le changement climatique, la sécurité internationale et la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Des dialogues réguliers sont également entretenus pour renforcer la coopération dans divers domaines, notamment en matière économique avec des négociations en cours pour l'un des plus gros accords de libre-échange entre l'Union européenne et un pays majeur. Sur fond de sanctions occidentales, le président russe appelle ses partenaires à resserrer leurs liens. Alors il y a 6 mois, un autre pogrom, cette fois-ci sur des chrétiens indiens. Une foule en colère qui attaque une église, frappe des policiers et détruit une statue de la Vierge Marie. Modi, en 2001, est nommé ministre de la province du Gujarat. Le Gujarat est une province indienne qui se situe à la frontière avec le Pakistan. Il fait partie de cet extrémisme hindou qui refuse absolument toutes les autres religions, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Des émeutes anti-musulmanes viennent d'éclater. Ces émeutes anti-musulmanes font de 1 500 à 2 000 morts au Gujarat.
et en particulier à Ahmadabad. Moi, j'arrive à Ahmadabad juste après les émeutes. Nous sommes maintenant donc à Ahmadabad en 2002. Ahmadabad, la capitale du Gujarat, un petit état de la Fédération indienne. Ce soir, la bourgeoisie gujarati va au McDonald's de la ville avant de voir les derniers films sortis des célèbres studios de Bombay. En effet, la population de cet état dans son ensemble, composée de commerçants et d'entrepreneurs, était l'incarnation de la classe moyenne émergente indienne. Un exemple de stabilité, disait-on. C'est à Ahmadabad que le Mahatma Gandhi a élaboré sa doctrine sur la non-violence. Doctrine qui, à cette époque, eut une audience et une popularité qui dépassèrent largement les frontières de son pays. L'Inde, pour beaucoup, fut le modèle de la dignité inéluctable de l'homme, de chaque homme, qu'il soit petit ou grand, noir, jaune, brun. Dans une société laïque, tels étaient les enseignements du Mahatma. La population semble calme pour le voyageur fraîchement débarqué. C'est une petite ville indienne comme tant d'autres. Pourtant, des patrouilles de soldats armés sillonnent les rues. Des centaines de cars de police circulent, car demain, comme tous les ans, une procession hindoue doit traverser la ville de part en part. Ici, l'on fait mine d'ignorer le plus terrible carnage communautaire qu'ait connu l'Inde depuis une décennie. En effet, au mois de mars dernier, au moins 1000 morts ont été comptés chez les musulmans de la capitale du Gujarat, massacrés par les extrémistes hindous. Depuis, les incidents sont quotidiens, entraînant chaque semaine de nouveaux morts. Qui est à l'origine de ça? C'est la politique. Vous avez peur de la procession hindoue? Oui, j'ai peur. Le gouvernement dit que ça va s'arrêter. Oui, ça peut s'arrêter, si le gouvernement le veut. S'il n'y a pas une volonté politique, les massacres peuvent continuer. Moi, je ne sais rien du tout, je ne sais rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est n'importe quoi, ce n'est rien, il ne s'est rien passé. Mais c'est votre ami? Ouais, c'est un ami, c'est un voisin. Moi, je ne sais rien. Mais et vous? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et vous savez bien ce qui s'est passé, vous lisez les journaux. Non, non, moi je reste à la maison la plupart du temps. Cette cérémonie est redoutée non seulement par les musulmans qui, bien entendu, craignent un nouveau pogrom, mais par les autorités de Delhi qui ont été traitées de laxistes pendant les émeutes. En effet, l'aide qu'a pu apporter la police locale aux extrémistes ne fait aucun doute. Le Gujarat étant gouverné par des sympathisants à la cause nationaliste hindoue et à la purification religieuse, prônée par le RSS, un parti d'extrême droite ayant toutes les faveurs du gouvernement en place. Ils arborent l'uniforme blanc et les couleurs safran de l'hindouisme, d'où l'extrême vigilance de l'armée dépêchée à la hâte à Ahmadabad. Nous appelons cette cérémonie l'Hindu Theatre. C'est une grande manifestation où des milliers et des milliers d'hindous vont traverser tous les quartiers de la ville. C'est une vieille procession qui se tient depuis des centaines d'années. Celle-ci sera la 150e procession. Go!
Krishna Kanhaiya Chor Maga Chor Jai Ram Ki Bhagwan Ki Jai Jai Ram Chor Maga Chor Jai Ram Chor Maga Chor Jai Ram Chor Maga Chor Est-ce que vous aimez les musulmans? Ah non, non, non. Mais pourquoi? Je ne les aime pas. Ils ne sont pas corrects. L'Inde compte à peine 10 à 12% de musulmans. Nous sommes maintenant dans le secteur hindou. Toute la population est aux fenêtres. C'est la fête. Car depuis déjà longtemps, chaque religion a son quartier. Son enclave. Plus question de se mélanger. Les restes du secteur musulman. Tous ceux qui avaient encore une maison se sont enfuis. L'annonce que cette manifestation allait passer dans tous les secteurs de la ville, même musulmans, a été reçue comme une nouvelle provocation, annonçant peut-être d'autres massacres. Alors, pour tous, ce fut la fuite et l'assurance que rien n'était terminé au Gujarat, surtout pas les massacres. À quelques centaines de mètres de là, au milieu des ruines, une mosquée entourée de tentes de toutes les couleurs. C'est ici que la majorité des musulmans du quartier ont trouvé refuge. Depuis quelques mois, il existe des dizaines de camps semblables à travers le Gujarat. De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme dénoncent les conditions sanitaires qui y règnent. Et pourtant, les réfugiés ne veulent pas partir, car la peur les tenaille. Et puis, où aller ? Au moins, le camp est-il protégé par l'armée? Et puis comment échapper à ces visions de cauchemar? En fait, il les partage. Ici, tout le monde vit la même horreur. Amnesty International, qui voulait faire une enquête sur les événements, n'a pas pu entendre les victimes. Le gouvernement indien s'y opposait. Ils étaient au moins 10 000. C'était armé des sabres, des couteaux, des cocktails Molotov. Nous étions 5 à la maison. Quand on les a vus, nous nous sommes cachés dans une petite pièce. Ils étaient du Shivsena. Ils avaient des armes à feu et toutes sortes d'armes blanches. Ils avaient aussi du pétrole et de l'acide. Ils ont commencé à jeter de l'essence sur nous. On s'est vite sauvés dans la rue. La rue d'à côté, où habite un hindou, un ami. On lui a demandé de nous cacher. Il a refusé. Il nous a dit « Partez ». Ils avaient des ordres pour faire ça. Ils ont commencé à brûler les bus, les voitures, les tricycles. Les pierres tombaient de partout. Les émeutiers disaient « Allons-y, allons-y ! » Même la maison d'un policier a été brûlée. Nous n'avions plus qu'une solution, nous battre. Les autres brûlaient les magasins. Après, ils ont attaqué la mosquée. Ils ont tué des petits-enfants. Même un enfant de 9 mois a été coupé en deux. Je n'avais jamais vu ça, même à l'époque de la colonisation, même à l'époque des Anglais. Qui peut être aussi cruel ? Ce ne sont pas des êtres humains. कोई दुश्मन भी नहीं करता इसका तो ये क्या बोलूँ कौन राक्षस थे इंसान भी नहीं चाहिए
और हम लोग को साथ में सबको यानी एक साथ कागड़ा फेंक दिया जलाकर और सभी को एक साथ आग लग गई और सब जलने लगे और हड्डे जो Les gens du quartier nous ont dit on va essayer de vous faire sortir par la porte de derrière. En fait, on est rentré dans une pièce sans issue. On était coincés. Ils ont commencé à tuer les enfants, à violer les femmes qu'ils ont tuées après. Ensuite, ils ont jeté de l'essence et mis le feu. Beaucoup d'entre nous ont été brûlés. Les autres se sont enfuis. Ils ont coupé mon fils en deux. Ils l'ont jeté dans les flammes. Ils ont fait la même chose avec ma fille. Ma femme a été précipitée dans un brasier. Ils ont commencé à tuer les jeunes filles. La sœur de ce garçon a été brûlée aussi. Ils ont tué deux de ses sœurs qui étaient dans la maison du député Jaffry. Dans ma famille, cinq personnes ont été tuées. Mes deux sœurs, mes deux frères, tous les quatre ont été tués. Je m'en souviendrai toujours. Je m'en souviendrai toujours. Un ancien député musulman, M. Jaffry, leur a dit « Pourquoi tuez-vous les innocents? Au lieu de les tuer, tuez-moi, je vous en supplie. » Ils se sont jetés sur lui. Mon fils était avec lui. C'est la dernière fois que je l'ai vu. À l'extérieur de la maison, ils ont démembré toutes les personnes qui s'y trouvaient à coups de sabre. Et ensuite, ils les ont brûlées. Et à l'intérieur de la maison, ils ont violé les filles. C'était indescriptible. Ces filles ne pourront pas vous le décrire. Et vous ne pouvez même pas imaginer ce qui s'est passé. Mon fils s'est évanoui. C'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Ils l'ont cru mort. Le groupe qui restait fuyait de maison en maison. Et chaque fois, nous étions de nouveau attaqués. Un responsable de l'administration arrive et nous dit « Ne vous inquiétez pas, la police va arriver ». La police arrive, on leur demande ce qui se passe et ils nous répondent « Le tueur a l'ordre de faire ça. Par contre, si vous résistez, nous avons l'ordre d'ouvrir le feu sur vous. » Les policiers m'ont accusé d'avoir brûlé ma maison. Ils m'ont battu. Ils étaient au moins 20 000. On a coupé mon fils en morceaux. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Le RSS dit regrouper aujourd'hui 3 millions de membres. Disciplinés, ils sont formés dans des camps d'entraînement paramilitaires. Ces extrémistes jouent la carte du terrorisme islamique, de l'ennemi héréditaire pakistanais, qui infiltrerait les populations musulmanes, qui pourtant se reconnaissaient dans le modèle social indien. Si la presse ne déformait pas la réalité, il n'y aurait pas de problème. Tout ce qui est arrivé, ça a été construit par la presse, entièrement construit par la presse.
Pour qui travaillez-vous ? Le Mahatma Gandhi disait : la coopération entre musulmans et hindous est une condition inévitable pour la liberté de l'Inde. Quelque chose s'est bel et bien cassé au cœur de la société indienne. C'est en quelque sorte la seconde mort du Mahatma. Je me vengerai, je le ferai. Ces gens, je les connais. Je les tuerai. Les policiers les ont relâchés contre un peu d'argent. Alors voici ce qui s'est passé en Inde. Un pays qui prônait soi-disant la non-violence. Voilà ce qui s'est passé en Inde en 2002. Mais ce ne sont pas les seuls pogroms qu'il y a eu en Inde, et il y en a eu encore d'autres bien après. Bienvenue. Après, nous avons un gouvernement qui est largement teinté de nationalisme hindou, ce n'est pas une surprise, son agenda politique est tel quel depuis une vingtaine d'années, que les choses s'accentuent un petit peu plus dans le sens d'un retour aux valeurs hindoues dans ce pays qui est multiculturel une fois encore et qui demeure fort bien en termes de fonctionnement. Donc ce miracle d'1,3 million d'individus, c'est peut-être un fait. Après, on n'est pas en train de voir une Inde qui se ferme aux cultures étrangères, c'est un peu... Comme chaque dimanche, le pasteur Ajay Kumar donne sous ce chapiteau la messe à ses fidèles. Mais depuis plusieurs mois, ses sermons se font dans la crainte. Celle d'être à nouveau arrêté, comme en février dernier lorsque plusieurs policiers lui passent les menottes en pleine cérémonie. Ils ont dit que je convertissais les gens et que j'avais reçu de l'argent, beaucoup d'argent, pour convertir les gens et qu'ils m'arrêtaient pour cette raison. Puis, au commissariat de police, ils ont enregistré une plainte contre moi en vertu de l'article 151 pour violence sur la voie publique. En Inde, les chrétiens représentent 2% de la population, une minorité religieuse intégrée au pays depuis le 4e siècle, mais dont les membres se disent aujourd'hui de plus en plus discriminés. À tout moment, un villageois peut nous menacer et tout le monde le soutiendra. Aujourd'hui, on a peur. Depuis 2020, plusieurs États indiens, dont l'Uttar Pradesh, ont décidé d'adopter une loi anti-conversion pour réglementer, voire interdire les conversions religieuses dans le pays. Le 13 août dernier, d'autres États comme l'Himachal Pradesh adoptent à leur tour une loi contre la conversion de masse qui promet aux contrevenants jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Pour John Dayal, spécialiste des minorités religieuses en Inde, ces textes de loi n'auraient d'autre but que de servir l'agenda politique du BJP, le parti au pouvoir. Ils donnent du pouvoir aux forces qui luttent contre les populations sous couvert de lutte contre les antinationalistes. Ils renforcent les groupes fondamentalistes et en fait, c'est comme siffler leur chien de garde en leur donnant les moyens d'attaquer, voire de tuer des chrétiens et des musulmans. Ils écrivent une nouvelle constitution pour une Inde totalement hindoue. En 2021, plus de 300 crimes contre des chrétiens ont ainsi été reportés. La majorité était liée à des accusations de conversion forcée par des groupes d'hindous extrémistes. Parmi ces victimes, le pasteur Kelom Kalyan, attaqué en pleine rue à New Delhi. Voici la vidéo du 25 février, le jour où j'ai été tabassé. Les gens m'ont ligoté les mains. Certains d'entre eux me donnaient des coups de poing et d'autres des coups de pied. Je regrette cette journée. Depuis cet incident, je suis constamment inquiet. J'ai déposé plainte, mais la police n'a pour l'instant rien fait. Des associations de défense de chrétiens ont récemment saisi la justice indienne pour dénoncer ces crimes. Le gouvernement fédéral, lui, a publiquement nié le 16 août dernier la réalité de ces attaques. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce sujet. N'oubliez pas Tipeee, aidez-nous. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir.